No se puede medir. la gloria no se puede olvidar. La rendición no es una opción. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alex Benito. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mercato pour préparer la saison 2. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer un petit peu ma démarche. Quelle est ma stratégie pour préparer la saison qui va conditionner toute la saison? C'est aussi important, voire plus important. Jouer tous les matchs de la saison, c'est là que ça va se jouer. On est déjà à un moment charnière entre cette saison 1 et cette saison 2, puisque, comme je vous le disais, il y a beaucoup de fins de contrat. On a à la fin d'un cycle, il y a des vieux joueurs qui s'en vont. J'ai récupéré quelques joueurs euh, en fin de contrat, notamment, voilà, je, je, c'était une des idées, Sergio Rico, qui va revenir. Il est formé à la maison, il était très très intéressé, et, euh, et du coup, euh, en plus, j'ai réussi à diviser son salaire quasiment par deux, de 216 000 euros. À, euh, 124 000 pour qu'il soit titulaire la saison prochaine je pense que ça sera mieux c'est pas euh, voilà il a quand même perdu peut-être un petit peu en niveau puisqu'il n'a pas beaucoup joué au PSG mais je pense que nous il peut nous apporter et puis au moins c'est pas euh, un budget euh, euh, voilà je claque pas tout mon argent sur un gardien parce qu'on n'a que 15 millions d'euros 15 millions d'euros donc quelle est ma stratégie on est au 6 juin donc on va avancer petit à petit voir quelles sont les opportunités qui se présentent d'ici l'ouverture. Et en attendant l'ouverture, je me suis préparé des petites listes, que ce soit la liste euh, Sevilla ou une liste par défaut, avec pas mal de joueurs à suivre. Et je ne claque pas tout de suite le budget. Je pourrais, euh, par exemple, Marcelinho Nunes qui est mis en vente pour 4 millions. Je pourrais tenter. Mais tant que pour l'instant, il n'y a personne sur lui, je ne vais pas commencer à verrouiller des joueurs à droite à gauche. Parce que 15 millions, ça va partir très très vite, et si j'utilise ces 15 millions avant l'ouverture, euh, s'il y a des opportunités qui se présentent à l'ouverture du mercato, je serai coincé parce que j'aurai plus de budget. Donc, je vais vraiment euh, y aller petit à petit, et c'est pour ça que pour l'instant, dans une première phase préliminaire. J'ai déjà checké tous euh, les joueurs qui seront en fin de contrat euh, dans 6 mois, donc c'est-à-dire dans un mois, en gros, euh, donc au 1er juillet. Donc euh, c'est comme ça que j'ai établi mes listes, j'observe des joueurs, par exemple Gonzalo Maroni, ça peut être très très intéressant de le récupérer gratuit. Argicardona Cardona aussi, euh, voilà, ça peut être, euh, c'est des profils intéressants qui peuvent jouer la rotation, qui peuvent jouer l'équipe B, sachant que je regarderai à nouveau les joueurs sans contrat au 1er juillet parce qu'il peut y avoir des nouveaux. Qui apparaissent dans la liste. Et là, ce que j'étais en train de faire, c'est de regarder les dispo transferts listés euh, en dessous de 5-6 millions en gros. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait Fran Garcia du Real Madrid qui a été euh, mis en vente pour 6 ,2 millions deux. Donc je suis sur le coup, pour l'instant personne n'est passé à l'action, euh, je ne passe pas à l'action, mais euh, voilà, c'est un petit peu l'observation. Si moi je passe à l'action, il y a d'autres clubs qui vont faire l'offre. Euh, S'il y a d'autres clubs qui font l'offre, peut-être que je m'alignerai. Donc on est là et, et on regarde un petit peu différents profils. J'ai lancé les observations sur Nicolas. Romero aussi, je connais pas, mais bon, euh, il a que 20 ans, ça a l'air pas mal. Et je descends comme ça dans ma liste. Il y a des coups vraiment intéressants. Euh, Willot Svedberg, il est à 2 millions. Il a que 20 ans, il est qu'à 2 millions d'euros. Il est mis en vente hein, sur requête à 2 millions. Ça, ça part en liste. Donc c'est pour ça que même les, les, les listés vraiment pas chers, euh, ça peut être très très intéressant. Et on va quand même avancer. Recrutement confirmé pour Sergio Rico. Ça avait supervisé Iversen aussi, mais c'est c'est pas ouf. Et une bonne nouvelle, c'est que Ocampos prolonge. campos prolonge un des joueurs de, de cette année j'ai quand même envie de garder certains cadres et je peux pas changer tout l'effectif d'un coup sinon on va vraiment prendre tarif niveau, euh, niveau cohésion d'équipe des fois j'observe des profils euh, voilà Delgado c'est vraiment pas bon La zaro pareil je trouvais ça pas cher mais ça a pas l'air terrible terrible Zekiel Centurion gardien ouais je continue euh, de chercher euh, des gardiens après Centurion euh, 200 000 euros tu le prends en rotation euh, bon on va voir aussi parce qu'on va peut-être recevoir des offres et c'est ça qui peut tout débloquer résumé commercial les partenariats les maillots vendus. Mais elle de courir, ça peut être un joli profil. Hein. Entre 3 et 4 étoiles de potentiel. On bah, va essayer de, de le garder à 1,7 million. Regardez ce qu'il devient. Anne Garcia, c'est recommandé aussi. Mariano attire les convoitises. 5 millions. Offre, hein. c'est 3 millions, donc c'est non. Eh bien, je vais valider toutes les offres à 5 millions pour Mariano. Sachant qu'il est arrivé gratuit, qu'il a servi à rien. Accepter les offres à 5 millions. Mitrovic est mécontent parce que je ne lui ai pas proposé un nouveau contrat. Euh... Bah, tu vas peut-être partir, en fait. Tu vas peut-être partir, euh, Mitrovic. J'ai reçu le rapport de Nicolas Romero. Ça a l'air monstrueux. Ça a l'air monstrueux. On va insister, mais... Waouh, wow. on a peut-être... L'avenir. Maroni, c'est pas mal. Hein. Maroni, euh, pour un joueur gratuit, ça peut être pas mal. Ryan oh, scène un peu moins. Nouveau format de la Ligue des Champions, et voilà les nouveaux formats qui arrivent. La réforme. bournemouth pour Mariano, c'est pareil, c'est pas mal. Lamela qui attire les convoitises, ça va partir. Napoli qu'on voit un eziri. Pour l'instant, j'ai pas reçu d'offre. Mariano à Marseille, 5 millions, c'est ciao. Voilà. Mariano à Marseille. Arrivé, gratuit, reparti 5. Ça me va. On monte le budget transfert à 18 millions. Oula. J'ai vu quelque chose passer. United pour un eziri. What the hell? Manchester United. Et une offre d'Anderlecht pour deux l'année. Euh, clause libératoire. Donc ça va faire 3 millions. Ce n'est pas un joueur sur lequel je compte. Par contre, là, il va falloir euh, bien, bien, bien augmenter euh, le tarif. Ça, ils abusent un peu quand même, hein. Moi, je trouve. Hein. Moi j'ai besoin de, de cash direct en fait. Ça va être 20 plus 15. Si on peut, hein. Si on peut faire ça. Si on peut faire 35 millions. Ça a l'air d'être oui. C'est oui. C'est 35 millions. Pour un Néziri. Euh, on va devoir s'en séparer. Arriver à 20 millions. 35 millions. Ça va être chaud parce qu'il va falloir maintenant partir en quête de buteur. Hein. Et le Milan. Le Milan qui est prêt à mettre euh, beaucoup aussi. 26. Euh, on va essayer 26 et 10. Et au-delà de 20 buts, on rajoute 5. 41 millions. 41 millions. Attention, le, c'est en train de monter. Donc, j'avoue que celle de, celle de United, on va, on va l'enlever. Pour l'instant, on va garder que celle du Milan. Le truc, c'est que là, les, les attaquants, c'est pas, c'est pas une dinguerie, hein. C'est pas une dinguerie. On <laughs> va retrouver un attaquant qui vaut le coup sans claquer tout mon budget aussi. J'avoue que Tony Martinez, moi, j'aime bien. De, de Porto. Ça peut être pas mal, là, Tony. On à à valence Essayez de voir ce qu'il veut, lui. Entre 22 et 27, ça pourrait le faire. Hein. Entre 22 et 27, ça pourrait le faire. Tony Martinez, on va se le garder dans la liste, sachant que je suis aussi sur euh, Glas, mais il serait un peu plus cher. On a encore le temps, on a encore le temps de réfléchir. Puis c'est pas dit qu'il qu accepte euh, l'offre du Milan. On va vraiment attendre d'avoir l'argent dans la caisse. Mike bah, il négocie, il négocie. Ça pourrait être une belle vente. En vrai, ça pourrait être une belle vente, mais ça marquerait. Euh... Ah oui, oui, mais lui il part pas. Ça marquerait une nouvelle fois la fin d'un cycle, même si Néziri est, est pas trop trop vieux, est parti des cadres actuels. Lamela à la veste pour 500 000, c'est des grands malades, des grands malades. Prestiani, j'aime Prestiani, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que lui, par contre, je vais le claquer assez vite. Je vais le claquer assez vite pour le mettre sur le côté droit. attendre l'ouverture du mercato parce que j'ai quand même des joueurs qui arrivent gratuitement et pas mal de joueurs qui partent avec des gros salaires. Euh, j'ai le retour de Montiel, hein. le retour de Montiel, euh, ça peut être un titulaire assez vite. Moi, j'aime bien le profil. Euh, Gatoni, bof. En vrai, euh, bof, bof. Marcao normalement, il part. Euh, Oscar, je veux en faire un cadre. Je vais le repositionner un peu plus bas. Oscar euh, Rodriguez, euh, pour moi, c'est illogique qu'il ne soit pas titulaire à Séville euh, actuellement. J'aime beaucoup, beaucoup son profil et je veux lui laisser une chance. Louis Smith, pas mal. Louis Smith, c'est technique. Il peut avoir un rôle sur quelques matchs. Augustinson euh, bof, bof, bof. Carmona et, 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 et Vizcaino euh, ça partira en équipe, euh, en équipe B. Et United qui claque 48 millions. 48 millions. Voilà, c'est oui. Hein. On réaccepte la nouvelle offre. Ça peut débloquer tout mon mercato. Hein. Parce que moi, je suis prêt à faire des petits coups euh, par-ci, par-là. 5 millions, 10 millions. Et ça me peut vraiment me faire pas mal de recrues. Le départ de, de Soumaré et de Sotelo hein. Sotelo euh, j'ai bien aimé, mais je vais pas le garder. Malheureusement, je pense que je fais peut-être une erreur. À 10 millions, ça l'aurait fait, mais c'est une trop grosse partie de mon budget. Des RB au Real Madrid. Ah ouais, ok. Les joueurs libres. Rakitic, Navarre. Et en fin de contrat l'année prochaine, hein. il y a Sousso, il y a Oscar, Oscar je le prolonge Oscar en plus il va être joueur de rotation, il coûte vraiment pas grand chose Mitrovic non, Carmona peut-être, attendre un petit peu, après c'est pas mal de jeunes C'est pas mal de jeunes, on va demander au directeur sportif de faire un peu le travail Retour des joueurs prêtés, Isaac Romero hein, qui veut pas prolonger mais c'est pas très grave On a le budget qui va s'équilibrer avec l'arrivée de Mieres, de Obando, de Soldevilla de Sergio Rico et Marcao qui part à West Ham pour 8 ,5 millions quand même. 8,5 millions, c'était dans la clause de prêt. Donc on récupère aussi de l'argent. Soumaré, c'est terminé. Et Sotelo aussi. Ennesi-Riverman United, ça se précise. Ça se précise. Début des transferts, on est au 1er juillet. On attend l'arrivée là et on va regarder aussi tous les joueurs libres. Tous les joueurs libres au 1er juillet. Les contrats qui se terminent, voilà les arrivées. Les arrivées de Soldevilla, mais lui c'est pour euh, U19, euh, non. C'est pour l'équipe B. Borsevilla Atletico, l'arrivée de Rico, hein, plutôt content. Plutôt content, euh, c'est normal. C'est le retour à la maison après un départ. Euh à Paris, Alain Obando qui a un gros gros potentiel, attends beaucoup de lui, pour l'instant il prendra pas le poste de titulaire tout de suite tout de suite, mais j'ai vraiment hâte euh, de l'essayer. Donc lui il va faire euh, la prépa avec nous en équipe première, direct. Et l'arrivée de Ramon Mieres aussi, Ramon Mierrez qui a des belles qualités, qui pourra, euh, je l'espère en tout cas, euh, pour un profil d'achat-revente, s'il me fait une belle, une belle saison, ça peut être pas mal ça nous fait un gros budget hein, finalement. On libère un million soixante, un million six mille de budget salarial, hein, ce qui peut vraiment faire monter euh, très fortement le budget. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui ont été libérés, qui étaient pas intéressés, et qui vont se retrouver intéressés maintenant puisqu'ils ils n'ont plus de club. Alors on va éviter les, on va éviter les vieux joueurs ou les joueurs qui viennent du bêtis, forcément. Santiago mêlé. pourrait être un bon gardien. Limite on lui fait une petite période d'essai d'une semaine euh, à Séville. Castroveli. Castrovilli, euh, bon, c'est gratuit, c'est vrai que c'est pas mal, Carlos Baca, c'est non, ah, c'est hein. c'est assez souvent des vieux joueurs quand même, il y a Pongracic, Marine Pongracic, André Gomez aussi, hein. André Gomez, Sebastian Cristoforo, passé par Séville aussi, on va pas miser que sur ça, mais il peut y avoir des choses intéressantes, et maintenant que le budget euh, c'est bien, euh, tout avec la vente des Nizeri, on va se mettre bien, on va se mettre. Très bien. Ah, Ismaël Ducouré, 1,7 million, c'est cadeau. Hein. En vrai, c'est cadeau. Hein. Je vais faire une offre pour Farias, je pense. Facundo Farias, 7 millions. Il y a la clause Facundo Farias de l'Inter Miami, ça part. Ça va partir pour Ducouré aussi, 1,7 million. Et ça va partir pour Nicolas Romero aussi. Ouais, 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 ouais. Je prends le risque. 6 millions. Ouais, je pars sur trois offres pour l'instant. bête il va être joueur vedette direct. Il va être joueur vedette direct. Facundo Farias, c'est possible en vrai. Le salaire est pas si excessif. D'où courir courir, c'est bien. Parce que justement on peut le prêter. On peut le prêter, ça c'est bien. On va baisser un peu le salaire quand même. Pas abuser, mec. Faut pas abuser non plus. Et pour le jeune Nicolas Romero, c'est pareil. C'est vraiment pas mal. C'est très intéressant. Santiago Mele qui vient à laisser. Ah, ça se débloque, hein. Ça va se débloquer dans cette première journée. Oh ça, il a pas l'air. Euh... Il a pas l'air fou. Même si c'est pour être remplaçant... On va quitter Janigarcia, Garcia, Navas, Skane Demarco, Fadio... Bof. Ah ouais, mais j'avais pas vu Megatoni, il est blessé. Je vais jamais réussir à me débarrasser de lui. Intense des ligaments croisés. En plus, il a mal au dos, en plus de ça. Deux à cinq mois. à à United le grand départ pour plus de 48 ,5 millions 5 c'est ouf. Hein. En vrai, c'est ouf. C'est une grosse grosse vente. C'est vrai que c'est un, un gros joueur, un bon joueur de, de Séville. Mais euh, si on veut débloquer tout le reste du mercato en plus de ça, ben voilà, hein, il, il signe à Manchester United. Donc ça aurait été compliqué de le garder contre sa volonté. Et l'effectif est mécontent. Eh oui, eh oui les gars, on va recruter les gars, on va recruter. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On a 46 millions. Je pense qu'avec 46 millions, si je cherche un buteur en vrai, Fran Navarro. Hein. En vrai, euh, je pense que ça sera Fran Navarro. Sinon, Tony Martinez. Tony Martinez de, du FC Porto. Il y a de l'expérience. Il y a un profil qui, qui peut me plaire. Hein. On va proposer 25 millions comme ça. Transfert record. Transfert record. Et une offre pour Sousso. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais c'est à 11 millions. 11 millions, c'est hyper intéressant pour Sousso. C'est hyper intéressant. 25 millions, non. Non, non. Tony Martinez, je ne mets pas 35 millions. L'arrivée de Farias, par contre. Farias, est-ce qu est que je peux le, le convertir euh, buteur Bof, bof. Mais l'arrivée de Farias, moi, ça me fait énormément plaisir. Pacundo Farias qui arrive au FC Séville. Je suis très, très content de pouvoir euh, enfin tester ce joueur. Son, c'est pareil. On va dire oui. Le départ. Oscar qui prolonge. Ah ça va commencer à ressembler à quelque chose qui me plaît. Même si en vrai est-ce que j'ai vraiment besoin d'un attaquant, c'est ça la question. Rafamir qui peut prendre le poste de numéro 1, il l'a déjà fait. Obando qui va euh, monter en puissance même s'il est très jeune, mais il y a surtout Ramon Mirez. Il y a surtout Ramon Mirez qui aura du temps de jeu donc niveau offensif, moi j'ai trois attaquants avec un Farias qui peut dépanner. Donc euh, à voir. Avoir voir, à voir. Pour l'instant, on attend les arrivées de, de Nicolas Romero et de Ducouré, les deux défenseurs centraux. Il nous reste pas mal de budget. Si on veut continuer à, à checker notre, notre petite liste. Et Fran Garcia n'est plus en vente. Fran Garcia n'est plus en vente. Ouais, entre 18 et 22, c'est nimp les gars. En vrai, je pense que je vais, euh, je vais offrir un contrat à Castrovilli. Ça peut vraiment être top au milieu de terrain. Puis s'il va être joueur de rotation, euh, il, y... il est pas gourmand. Il est vraiment pas gourmand. On arrive à tomber d'accord. En dessous de 100 000 euros par mois, très très intéressant. On part en prépa en Écosse, ça va être ça va être pas mal. Ça, le départ de Jordan avec un versement obligatoire de 3 millions et le départ de Delaney, pareil, départ en prêt et euh, achat obligatoire. 3 à 4 semaines pour Facundo Faria, ça commence. Les recrues, ils vont euh, visiter les infirmeries. C'est une gamme forest pour Acuna, c'est oui. Moi, je vais demander 10 millions. Non, oh, ils veulent pas. Aïe aïe aïe, là ils n'ont pas été euh, chauds pour négocier. Ouais, je ne serai pas tout seul. Hein. Je ne serai pas tout seul sur, euh, sur Castrovilli, malheureusement. ouais, je connais, je connais, je connais. C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Un petit contrat, lui. Santiago Mel. Remplaçant, 50 000 euros par mois, c'est oui. Comme ça, je peux dégager Niland et Dimitrovic. J'ai mes contents en plus. Transfer room et Niland, c'est pareil. Les gardiens, ils m'ont vraiment saoulé. En train de voir un truc là, Eric Martel à 13 millions. Je vais m'aligner. Hein. Là, je m'aligne direct. Hein. Je m'aligne direct pour euh, le milieu allemand. Il y a peu de chance que je l'ai, en hein, Vrai. Il y a vraiment peu de chances, mais euh, mais je souhaite m'aligner. On ne sait jamais. Gros salaire, mais c'est ça sera mon nouveau Rakitic en vrai. En vrai, ça sera mon nouveau Rakitic si on a Eric Martel. Niland. Hein. Ah, c'est du prêt. C'est du prêt. Clauses d'options d'achat, des clauses obligatoires ou pas hein Des options, hein. Des options, mais au moins je vois pas sa gueule. Allez. Et l'arrivée de Nicolas Romero. Nicolas Romero qui arrive, euh, j'avoue que ça va être solide. Hein ça va être euh, du très, très, très solide pour l'avenir, lui. C'est pas Gatoni, je te le dis. Euh, 83 millions de droits TV. OK. Les tirages. Le calendrier est annoncé début de la saison face à Levante. Euh, L'arrivée d'Ismaël le Ducouré, 1,7 million. Hein, période d'essai qui se termine pour euh, Santiago Mele. Mais on va le prendre. Quelques augmentations de salaire. Voilà, avec Rico et Mele, je pense que j'ai mes deux gardiens plutôt pas mal. Doucouré qui arrive. Donc, pour l'instant, avec les, les 19. Mais... Euh, euh, mais ça peut partir en pré, voire jouer avec euh, Avec Sevilla Atlético. 9 pour Dimitrovic ouais, Il va partir avec la réserve lui. Hein. Il est arrivé voilà, de, de Santiago Melee. Ça va être pas mal. Hein. Ça va être pas mal. Augustin qui s'en va. 2,5 millions. Il arrive gratuit, hein, donc franchement, j'ai renouvelé mes gardiens. J'ai renouvelé mes deux gardiens avec Santiago Mele, par contre, qui a deux à 7 semaines. Et départ de Sousso. Le départ de Sousso, on va refaire un point sur l'effectif, parce que je crois que j'ai eu beaucoup plus de départs que d'arrivées. Donc si on regarde un petit peu euh, d'un point de vue tactique, Alors, on va enregistrer eux. On peut enregistrer Nicolas Romero, Gonzalo Montiel, euh, Luis Smith, Facundo, Oscar Ramon Mieres et Obando. Donc j'ai mes... trop de joueurs... Euh... J'ai trop de joueurs joueur hors Europe. Donc je pense que Romero n'a peut-être pas joué de suite de suite. Il hein. faut que je le prête en Espagne. Il hein. faut que je le prête en Espagne Nicolas Romero. Il me fait une saison en Liga. Ça peut être pas mal. Hein. Je vais le proposer en prêt. En prêt de préférence en Liga en titulaire régulier. Et je vous confirme. Grosse, grosse, grosse recrue. L'arrivée d'Eric Martel. Je ne pensais pas l'avoir. Ça va être incroyable. Hein. Gros, gros salaire. C'est peut-être la recrue de ce mercato. Et Nicolas Romero euh, qui pourrait être prêté à la Lazio ou à Porto. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, mais est-ce qui garantit ce joueur de Rota Un hein. joueur de Rota, non. Un hein. joueur important, par contre, à Porto. Ouais, 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 ouais. ouais. À Porto, ok. L'arrivée d'Eric Martel, c'est incroyable. Hein incroyable, un très gros joueur, hein. vraiment c'est un très très gros joueur, je pense que ça peut, je peux avoir un gros gros milieu dans les années à venir, 13 millions c'est pas cher, hein. ouais, 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 hyper content, hyper content pour Eric Martel, Colas Romero, ça s'aligne un petit peu, joueur de rota, non, ça m'intéresse pas, rotation, non, Au point de vue tactique, euh, j'ai mon box to box euh, monstrueux là, hein. il est monstrueux, en vrai l'affiche est, est insane le volume de jeu, la déterre, le collectif, le courage, l'agressivité, l'endurance, les tacles. Un Martel, Oscar Rodriguez et Goodel, juste derrière, que j'ai prolongé et qui a encore de super euh, qualité à 32 ans. Ramos, Nianzu, Juanlu, euh, on va trouver euh, de quoi à, à faire tourner. Mais c'est vrai que Farias, il a un très gros rôle à jouer euh, sur les côtés. Naobando et, et Mires qui vont jouer le rôle devant. Gonzalo Montiel qui peut jouer, même si Juan Lou sera le titu. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, franchement. Euh... Sans métamorphoser l'équipe, euh... j'ai de meilleures qualités et je suis content de faire rentrer des, des... mes remplaçants. Je suis content de faire rentrer certains remplaçants. Je vais foncer sur lui aussi. Je vais métamorphoser mon milieu, mais Chris Medina avec Eric Martel. Là, j'ai déjà en tête un truc de ouf. Là. Lui, je le vois trop au milieu avec Eric Martel. Il est qu'à 14 millions. Je... Par contre, il est hors Europe. Ça veut dire que, que au bandeau, ça ne sera pas sa saison. Il est encore un peu tendre à 18 ans. Je pense que on peut lui aussi euh, lui trouver un petit club en prêt où il sera où titulaire. Ah, je lui donne, je lui donne tout ce que tu veux. Christian Medina, je connaissais pas aussi. Ça a l'air ultra ultra solide. Ismaël de à 3. Euh, en titulaire régulier. Ok, ok pour moi. La préparation est décidée. On fait la tournée en Écosse donc Edinburgh, club Pool. On va continuer euh, sur l'Angleterre avec Leicester, Newcastle et Aston Villa. Et le club affilié Relef. Pour terminer notre préparation, si tous les matchs amicaux sont euh, bien sûr acceptés. <coughs> je courais à Dunkerque, mais un joueur secondaire, donc c'est non. Et non. Et Nieland, qui s'en va Tu aurais eu 0 minute. Hein. Avec l'arrivée de, de Rico et de Melee, tu aurais eu 0 minutes. Tu fais bien de retourner au pays. Et Castrovili, bon ça, je m'en doutais, mais je l'aurais refusé. Puisque je me suis rabattu sur Eric Martel et euh, je l'espère sur Christiane Medina. Et Obando, Obando à Andorre, moi ça me chauffe. Ça me chauffe. Il peut partir à Ibiza aussi. En vrai, je vais quasiment tout valider, je pense. Il préfère les lui les Ligados. Il est régulier partout. Est très bonne manière de découvrir euh, l'Espagne. il va faire les JO. Il va faire les JO, Bando. Et l'arrivée de Christian Medina. 14 millions. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Quelques rapports qui tombent. Là, je pense qu'on a une équipe. On a une équipe vraiment sympa au milieu là. Et je tente Barcola en prêt. Barcola en prêt. il n'y a pas d'option d'achat. C'est pas cher. Et ça peut être une option au cas où il y a des grosses blessures devant. Ça me paraît réaliste en vrai. Ça me paraît réaliste de le voir IRL dans un club comme Séville. Qui a un bel historique d'attaquants français. Passé au club. Match amical face à Edinburgh, le triplé de Ramon Mirez. Attention, il y a des places à prendre cette année. Euh, je vais tenter euh, Miguel Gutiérrez Miguel Gutierrez, le potentiel m'intéresse beaucoup. Il n'est pas si cher. 8 millions ,5, 5. Je le tente. Je le tente parce que j'ai engagé un intermédiaire pour Acuna, euh, vendu à 9 millions et demi. Donc, je récupère quasiment le, la même valeur. Ça, ça me plaît. Le salaire me plaît beaucoup. Leicester pour Dmitrovich à 6 millions. Mais c'est, c'est, c'est du pain béni. C'est du pain béni. 6 millions pour Dmitrovich. C'est un cadeau du ciel. Et Romero qui va être prêté à Porto. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je pense c'est un très, très bon climat pour aller, euh, pour aller progresser là-bas. Et Acuna, euh, je vais valider direct. Je vais valider tout direct parce que la dernière fois que j'ai voulu négocier ça, ça a tout fait capoter. De courir à 3 en titul régulier là-bas, c'est pareil, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'avais observé Dalinga au cas où mais en vrai euh, je pense pas que j'ai besoin de recruter à l'attaque même si maintenant j'ai que Mir. Emirez et, et potentiellement Barcola. Potentiellement Barcola qui peut arriver en prêt. Le mercato reconstruction est en marche. Facundo Torres. Ouais, voilà, bah c'était lui ou Facundo Farias. De toute façon, l'arrivée de Barcola en prêt. Ça peut aussi rassurer un petit peu l'équipe. Voilà. Goodelge ne semble plus s'inquiéter parce que justement Barcola vient d'arriver. Il a un gros potentiel. Il est très bien. Il est plutôt élié en vrai. Il est plutôt élié. Je pense qu'utiliser un petit peu euh, tous les profils. Mais ça me fait plaisir d'avoir Barcola. Et Obando euh, donc, il va être prêté à Leganes en titu régulier. Et je vais lui fixer un petit objectif. J'aimerais bien qu'il marque 12 buts. 12 buts et il devient joueur de rotation. S'il y arrive. Allez, match amical contre Hartlepool United FC. Ça rappelle une équipe que j'avais analysée dans les j'analyse vos parties. J'ai délégué mes amicaux à l'adjoint. Victoire 5-1. Et le premier but sous le maillot de Christian Medina. Je suis très très content du milieu. Je pense que Medina, Medina Martel, ça va faire. Je l'espère. Hein. J'espère que l'osmose que va, va vraiment fonctionner. Parce que là, je pense que je tiens truc et je peux même reculer Martel mettre, euh, mettre Medina en, en box to box avec Oscar euh, avec Oscar hein. il y a vraiment beaucoup de possibilités il y a vraiment beaucoup de possibilités Juan loup qui est en train de, de prendre un galon monstre avec montiel hein. avec montiel aussi qui va qui va jouer son rôle sur le sur le côté droit et derrière rico euh, Rico, mêlé barcola fait les JO on a Farias aussi. Même louis Smith. hein. louis Smith s'est formé au club. Euh, moi, j'ai bien envie. Euh, j'ai bien envie de lui donner un petit peu de temps de jeu. Et l'arrivée de Miguel Gutiérrez. Là, pareil, je pense qu'on tient, on tient un très très bon joueur. Un très très bon joueur. Installer le chauffage de la pelouse. Ok. Et Dmitrovich à l'Easter. Ça, c'est bien, franchement. <laughs> je pensais pas le vendre autant. C'est ciao. C'est ciao. Il nous reste 5 millions. Un bon budget. Pour l'instant, plutôt content des arrivées-départs, même si bah, le départ de Nesiri s'est compté de ce côté-là à 48 millions. L'arrivée d'hendrik au Real, ça va être le début de la Liga euh, infernale, puisque Victor Roquet est aussi euh, arrivé au Barça. D'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, et on ira le voir en fin de en fin de vidéo que euh, il est sur la liste des prêts. Victor Roquet, j'aurais pu l'avoir en prêt, pourrait l'avoir en prêt, mais j'ai préféré tenter Barcola. Donc on ira voir hein, les différents mercatos aussi de, de toutes ces équipes en Liga. Moi, j'aime bien voir ça, de voir ce qui se passe, de tout ce qui est fait dans la Liga. Justement, le match amical face à Leicester. Est-ce que Dimitrovic va jouer face à Maresca, l'ancien ancien joueur de Séville On a gagné 5-3. <laughs> oh, c'est trop beau, c'est trop beau Rafamir, Juanlu, Djibril, Gibril So. Et j'ai lu un truc. Une erreur de Marco Dimitrovitch pour Leicester. Voilà, juste cette phrase. Juste cette phrase, les gars. Incroyable. Ils l'ont mititue, quoi. Et il y a Zidane à Newcastle. Voilà, juste euh, juste comme ça. Et donc Acuna qui s'en va. Le départ de Marcos Acuna 32 ans, c'est vrai qu'il a des super qualités aussi. Mais euh, bon, un joueur blessé qui prend des rouges. Euh, on est bien en dessous de la masse salariale plafonnée, hein. La masse salariale plafonnée, d'ailleurs, je voulais en parler dans la première vidéo. J'ai oublié de vous présenter, mais en Liga, il y a une masse salariale plafonnée, il y a un y cap, qui n'est pas identique à tout le monde, comme on pourrait le croire, mais je ne sais pour quelle raison, qui est euh, associé au club. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de leurs revenus, etc., etc. Mais il y a certaines équipes, notamment l'Atletico, c'est 14 millions. Salari cap, donc c'est un petit peu comme tu veux quoi. Le Barça ils ont 16 millions, le Real ils ont le droit à 28 millions de masse salariale plafonnée, donc en vrai ça sert un peu à rien quoi. En vrai, le salarié cap c'était pour que ça soit à peu près équilibré entre les équipes, mais là c'est disproportionné. Très bon milieu, hein, Christophe Baumgartner aussi. Euh, pour 11 millions et demi, c'est vraiment pas cher. Si j'avais pas eu Martel, j'aurais foncé sur lui, tu vois. Du coup, ça me fait combien Il me reste 10 millions, il me reste une dizaine de millions. Je trouve l'effectif Plutôt équilibré en vrai. Plutôt équilibré. J'ai deux joueurs à gauche. Défensivement, on, on a aussi euh, Badé, euh, Gatoni et Salas en équipe B. Le milieu de terrain, j'aime beaucoup là, ce que j'ai fait au milieu. Avec sur le banc Oliver Torres, Gibrilso, Gudelj, Martel, Medina. On a quelque chose de super intéressant. Les gardiens aussi. Euh, devant, ça va sûrement jouer avec Rafa Mir, Barcola ou même Mirez hein, qui fait une belle prépa. Sur les côtés, Luque Bacchio, Campos. Avec bien évidemment Farias qui aura beaucoup de temps de jeu je pense. Et Luis Min hein, qui, va, qui va aussi rentrer sur les côtés je pense. À la limite faudrait vraiment un super sub à, à Luke Bacchio parce que Farias c'est plutôt sur le côté gauche. À la limite on se trouve un milieu offensif droit de qualité en dispo transfert. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir même en libre hein on va aller voir un libre. Bon, un libre, c'est pas ouf. Dispo transfert, voir. À moins de 10 millions. À moins de 10 millions. Euh... Bon, ça va être vergue. Moi, pour moi, il est centre. Il y aurait du Adama. Il y aurait du Rodrigo Riquelme. Pareil, ça c'est des profils. Euh... C'est un peu tendre pour, pour débuter direct. Raul Moro, c'est pas mal. Raoul Moreau, pareil, c'est un peu léger. L'amical face à Newcastle. On a fait 2-2. Doublé de Rafamir. Il est chaud, Rafamir. Il est chaud. Oliver, blessé, ça va. Pas trop. Pas trop trop. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Parce qu'il reste quoi Deux matchs amicaux et c'est le début de la liga. Ça sera sûrement une longue vidéo. En tout cas, moi, ça fait euh, plus de deux heures. J'ai laissé la caméra tourner. Il va falloir que je découpe tout ça sur les moments de ce mercato. J'espère que ça sera quand même assez dynamique. Euh, que ça vous plaira. Et puis... Euh, et puis on pourrait refaire ça au prochain mercato. Mais au moins ça vous montre comment j'avance dans mon mercato. Et je vous présente pas que bah, bah, j'ai fait telle recrute, telle recrute, telle recrute. Il y a des opportunités qui se sont présentées. Hein. Moi, le Martel, pour moi, c'était inaccessible. J'aurais jamais pensé si j'avais vu qu'il y avait d'autres clubs qui avaient fait des offres pour si peu cher. Barcola, pareil, ça s'est fait un petit peu naturellement de se dire est-ce que euh, j'achèterais un attaquant Très cher pour venir euh, mettre un peu la zizanie, sachant que euh, Mieres et Rafa Mir, je pense qu'ils peuvent tenir le poste. Et voilà, je viens de prendre euh, Luca Romero en prêt de la part du Milan avec une option d'achat à 23 millions. C'est un petit peu cher, mais je voulais quand même euh, m'autoriser cette option au cas où. Et c'est lui qui va venir faire la rotation sur le côté droit. Et je suis très content de l'avoir aussi, Luca Romero. Euh, c'est un, un profil que j'ai envie de voir évoluer dans mon équipe. Je pense qu'il peut y avoir cette, euh, cette Grinta. Il peut y avoir cette cohésion. Dans l'équipe-là, ça me plaît. Medina, Oscar, Martel, euh, Luca Romero, Farias. Il y, y a la patte, hein. Forcément, il y a la pâte euh, argentine hein, que j'ai remis euh, au goût du jour. Mais, euh, mais je, je suis quand même très très content de pouvoir, euh, de pouvoir proposer cette équipe, même avec des joueurs que je connaissais pas trop, qui ont l'air d'avoir un potentiel intéressant, comme Miguel Gutiérrez. Il a l'air d'être euh, vraiment un bon joueur. Donc voilà, j'espère que, que ça vous aura plu. Et puis euh, il me reste encore un petit peu, mais on va faire juste deux, trois. Même pas, je sais même pas s'il y aura d'autres recrues. D'ici euh, le début de la Liga, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.